fait tourner Philippe Castelli. Voulez-vous dire quel grand talent ce frêle corps abrite? C'est pas un problème de talent seulement. C'est... ben, c'est-à-dire que Castelli vous offre des airs de repos sur un tournage. Vous dites moteur, il commence son texte, vous partez, vous allez manger une saucisse, des frites, vous buvez un demi, un café, vous revenez, il a toujours pas fini. Mais d'un autre côté, je veux dire, vous qui êtes un Pygmalion, avoir un acteur aussi mou, ça permet de lui donner la forme qu'on veut. Oui. Mais c'est pas seulement non plus une question de forme, il porte... Vous voulez dire qu'il a pas de forme? Non. Non. Jean, je t'attends à la sortie. Je me lève. Et je le bouscule. Il ne se réveille pas, comme d'habitude. Sur lui, je remonte le drap. J'ai peur qu'il ait froid, comme d'habitude. Ma main caresse ses cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais lui, il me tourne le dos, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'un organe vestigiel? C'est moi. Le mien. C'est moi. Oui, exactement. Oui, un vieux. C'est un organe qui existe mais qui ne sert plus à rien. Voilà, bonne vrai. Réponse de Philippe Castelli. C'est un poème. Oh. Un poème de qui? Un poème de moi et sur qui et sur moi. Et sur vous. Ouais, ouais. Et je l'ai intitulé « Je ne suis pas celui qu'on pense ». Allons. J'en ai assez de penser pour l'idiot du village, pour un demeuré coincé, pour un vieillard sans âge, pour le concubin de Maurice. Voilà ce que je voulais vous dire simplement. Afin qu'à l'avenir, aucun d'entre vous ne perde son temps à me traiter comme un dément, mes chers et bons amis, Castelli vous emmerde.